L'âne de neuf morts, c'est qui est attisonné international femme. Et comment se trouver une femme présente pour soutenir une CISO challenge contre certains bad laws dans l'immigration. Et Cliensou qui est bien spécial parce qu'en fait, nous fait célébrer capable son 12e pour l'année journée internationale femme. Et qui moment que les femmes soient ensemble contre la guerre, pour la paix, pour une revendication pour femmes travailleurs. Et aujourd'hui, nous là, dans ce moment-là, dans un esprit de solidarité avec revendication. Ici dans Maurice, en 78, pour la première fois, tu célébrais son internationale femme dans une formule qui s'appelle Solidarité femme, qui mouvement libération femme qui initié. Et tu fais un premier grand événement dans un ordre compagnie, près ici, dans un meeting femme, un grand meeting femme. L'autre, tout si ce qui concerne l'émancipation femme. Alors, c'est aussi un grand événement pour qu'il nous l'a dans solidarité avec un cas pour un petit peut pour toute femme. Alors, nous pouvons faire un point de presse un peu spécial, aussi, parce qu'il nous peut retracer un peu ce qu'il nous peut faire aujourd'hui dans le cadre de l'histoire. Mouvement femme et la lutte pour l'émancipation femme. Alors, je vais passer la parole tout de suite à Guénikis Nassamou. Oui, aujourd'hui, nous en solidarité avec Lindsay Collin qui fait amener sa carte, le nom du tout dans Maurice. Et nous vous rappelle comment en 1977, ça veut dire 45 bonnes années de cela. Qui est dans sa même menace qui est dans aujourd'hui, mais qui tient menace contre 10 femmes Maurice qui mourent et un djibou qui n'est pas né ici. Et nous, dans le mouvement de libération femme, nous qui amène, nous qui initié un front commun organisation femme et nous qui faire manifestation, pétition et puis finalement la cour, le comité droit de l'homme, pour dimanche. Qui, comment dire, pour protester contre la loi là. Et finalement, nous avons gagné. Et en 1983, le gouvernement utilise la loi là et qui donne droit à toutes femmes, hommes, Maurice, mariées avec lesquelles qui se choisir et fondent un foyer et une famille de Maurice. Aujourd'hui, ça va droit et liberté qui nous et grâce à la lutte, il est menacé aujourd'hui et il montre nous que ce qui nous a gagné, il va rester si nous ne continuer à lutter pour nous. Si la ramène, bon, nous ne le brassons pas. Alors aujourd'hui, nous là, nous plus en solidarité à l'ici parce que ça va nous bloquer dans la loi. Immigration Act, il n'y a pas qui dit moins, il n'y a pas qui s'en a dans mon risque. Vu que quand nous mariez, nous faisons une famille, nous installons la case, nous avons des enfants, nous établissons dans l'endroit et nous activons comme un citoyen. Mais avec ça, nous voulons la loi là, il menace un petit monde qui nous choisirait pour une future conjointe qui part née dans notre république. Alors, à cause de ça, je vous dis nous là, et en même temps, il y a une série d'obstacles qu'il a pour moi et même, avec un futur conjoint qui parle dans la République. Pour moi, il a fait des demandes, il a besoin de fournir un document, pour moi, certificat moralité, preuve qu'il a assez d'argent, et certificat médical qui ne paye aucune maladie, qui peut payer soit le service social pays. Et en même temps, quand fini moi, il existe un permis résident temporaire qui n'est pas encore révoqué. Et même si on veut dire citoyen démolition, premier ministre actuel ou futur, gagne droit grâce à sa citoyenneté là, n'importe quand, sans fournir aucune raison, et mes vidéos. C'est-à-dire, il défie la femme complètement,
et qui bafouait et qui à l'encontre droit fondamental et liberté pour nous choisir du monde qui nous content, pour nous fonder une famille sans discrimination et sans risquer qu'il nous fasse détruire. Et pas que nous qui arrivons dans un enfant. Merci. C'est nous. En tant que femme qui travaille, aujourd'hui nous prenons le cas pour venir soutenir la camarade Lindsay Collen, parce qu'il fait 50 ans qu'il est ici, il finit d'être le pays, lui aussi nous finit accueillir dans nos familles, dans nos glisses, et il finit tout le temps 18 avec Benjamin de classe travailleuse depuis 50 ans qu'il est là, pour défendre l'intérêt classe travailleuse et aussi pour ensemble amener la lutte contre l'exploitation classe capitaliste. Aujourd'hui nous là parce qu'il peut défendre toute une famille qui est dans Benjamin qui est mariée avec un jeune qui naît dans le pays. Et nous voulons qu'il y ait une famille, nous restons en unité. En tant que femme, nous voulons qu'il y ait une famille en unité. Et nous parlons qu'il n'y a aucune menace dans la loi, comme la loi immigration et des enfants, qui menace la famille. À que ça, nous l'a aujourd'hui pour représenter toute une famille, qui nous voulons qu'il y ait un membre d'une famille capable activement de participer à la vie politique comme la société. Alors nous trouvons que ça, la loi là, en fait, qui menace nos libertés pour manger avec des gens qui nous comptent, pour vivre ensemble, pour fonder une famille et pour des enfants et pour rester dans une seule place. Lorsque maintenant nous trouvons que ça, là, il est important pour nous tous. Et à ce stade-là, nous passons lundi qui peut donner nous un aperçu qui vient d'arriver aujourd'hui et qui nous dit. Oui, aujourd'hui, ça. Ça, cadre dans la Cour suprême, l'IP aller dans une façon comme je me trouvais assez doucement, lentement. Ben là, la roue, la justice roule lentement et l'IP gagne ça l'expérience là. Mais ce qui est important, c'est sa solidarité qui du monde peut exprimer aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas des affaires qui sont intéressantes pour venir, mais le fait que du monde pose une présence peut montrer qu'il y a un cas qui affecte littéralement tout le monde. À ce stade-là, aujourd'hui, quand nous arrivons, nous tiennons ce qu'ils appellent une plainte. Ça veut dire que nous disons le qui va un argument, nous pouvons challenge ça, la loi là, ou bien certaines clauses dans ça, nouveau la loi, immigration, surtout en ce qui concerne citoyenneté. Nous venons de citoyens, comme beaucoup de femmes mariées avec mon chien, ou bien des hommes mariés avec mon chien, et ça les menace, les fragilise. Alors nous mettons une plainte. La dernière fois que nous venons, le gouvernement, finalement, tient, après un des renvois qu'il a demandé, il répond avec ce qu'il appelle un pli. Quand il dit un temps, les autres particuliers qu'il y a envie, et ils ont dit, de nos côtés, à travers un autre avoué, parce que le mot avoué Aïcha Djiwa, il s'y donne l'autre la cour industrielle. Magistratine appelle lui là-bas. Mais en tous les cas, ils ont dit, nous répondons et qu'ils soumettent pas de particuliers, et là, nous avons pour réveiller devant la cour. Les 23 mars. C'est pas trop loin. Et ce qui, moi, je compte aussi mettre nos records, c'est qu'il y a trois tribunaux légaux qui peuvent prendre sa cala, appeler sa pro bono, ça veut dire que ce n'est pas fait prendre un sou. Il y a des avocats, il y a M. Antoine Demel et un agent Claude Bibi, et il y a Aïcha Djiwa qui. Et tu peux avouer dans sa cas-là. Alors, il y a une solidarité de tout le monde qui présente vraiment extraordinaire. Ça qui donne la force à sa cas-là. Oh, même quand tu dis que tu peux tout sortir. Oui, il fait un point qui est un cas qui est important pour tout le monde.